Comme vous l'avez lu à travers ce titre que nous vous proposons aujourd'hui, qui est dans l'air du temps, le sujet est philosophique, il faut qu'on le pénètre, c'est ce que nous allons faire. Je vous présente mes invités, Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir. Monsieur l'abbé Poundou, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Ce titre nous a été proposé par le très philosophe monsieur l'abbé Poundou. Alors, je voudrais vous demander de nous lire le texte de Athénagoras qui vous a inspiré ce titre. Une guerre qui mène à la paix. Peut-être pas tout le texte, mais une partie de ce texte, s'il vous plaît. Athénagoras, patriarche de Constantinople, c'est un peu comme le pape hein, de l'église de Constantinople, eh bien, a réfléchi sur la guerre. Et il en est arrivé à une conclusion, aucune guerre ne mène à la paix, si ce n'est, dit-il, la guerre contre soi-même. Et donc c'est comme ça qu'il intitule ce texte Une guerre qui mène à la paix et il l'introduit directement en disant il faut mener la guerre la plus dure qui est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible, mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien. Car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente des meilleurs, non, plutôt, pas plutôt meilleurs, mais bon. J'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours le meilleur pour moi. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Très bien, qu'on s'arrête là. Vous avez compris la profondeur de cette pensée. En définitive, quand on observe la société congolaise, parlons du Congo, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand il y a une idée, disons une idée de mobilisation, changement de mentalité par exemple, nous, d'une manière générale, on voudrait que ce changement-là vienne de l'autre. Et nous, on est passifs. Dans notre confort, c'est l'autre qui doit commencer par changer. Cette passivité fait en sorte que nous continuerons à tourner en rond si nous continuons dans cette attitude. Il faut plutôt être positif, être acteur. Mon cher Bonigaba, Oui. que vous inspire ce texte, un commentaire? Ce texte m'a beaucoup plu parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui nous entraîne là où il faut effectivement nous entraîner. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est en fait la conséquence de n'avoir pas compris que la vraie guerre qu'il fallait mener depuis 60, c'était cette guerre pour changer l'homme congolais. Mabika Kalanda nous y a invités, mais il n'a pas été suivi. La remise en question, base de la décolonisation mentale. Parce que l'homme congolais tel qu'il est aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, qui est malmené par. Nous, on peut dire, avec le recul, que ce n'est. Ce n'était pas concevable, ce n'était pas imaginable qu'on en arrive là où nous sommes, en train de pleurnicher, de supplier le monde entier
pour qu'il vienne à notre secours, nous le Congo? Non, ce n'est pas ce Congo-là que nous on rêvait d'avoir. Ce n'est pas ces Congolais-là. Parce que ce sont ces Congolais qui ont fait le Congo bien sûr, bien sûr. Tel qu'il est aujourd'hui. Donc pour moi, ce texte nous invite effectivement à aller à ce qui est essentiel pour nous. Nous remettre en question, nous demander si nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Parce que depuis 60, on constate que tous les dirigeants successifs ont invité les Congolais à changer de mentalité. Si vous regardez tous les dirigeants, depuis Kassavubu, mais une fois que cela avait été dit, on croyait que ça avait, c'était fini, que l'essentiel était fait. Or, aujourd'hui, avec ce texte, on nous montre que on ne peut plus continuer à faire l'économie de ce changement qualitatif de l'homme congolais si on veut avoir un Congo différent. Tout à fait. Alors, je donne un exemple. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, qu'est-ce que l'on constate? Il y a des gens qui vont dans des télévisions, lisent des motions de soutien, c'est pas mauvais. Et puis, ils s'arrêtent là et croient avoir fait ce qu'il fallait faire. Non! Il faut aller au-delà de ces motions. Qu'est-ce que vous proposez après avoir lu ces motions? Parce que si on y regarde bien, ces motions ne constituent que, n'est-ce pas, des appels du pied. Je suis là, monsieur le président. Et non. Oui, mais motion de soutien. Et après, monsieur l'abbé. Et après, il faut changer soi-même. Bien évidemment. Lorsque j'entends mon frère Modeste Monikaba dire « il faut changer l'homme congolais », je dirais « le changement, nous devons apprendre à le conjuguer à la première personne du singulier d'abord et à la première personne du pluriel ensuite. » Et je dirais même que les deux devraient se faire concomitamment. En même temps, nous nous battons contre nous-mêmes, donc pour notre changement personnel, individuel, mais en même temps, nous nous battons pour le changement collectif. Monsieur l'abbé, en changeant soi-même, oui. Si tout le monde change, oui. Évidemment, parce que j'ai changé, parce que vous avez changé, nous oui. Changeons. Oui, c'est ce combat-là, à mon avis, que nous devons mener dans notre pays. Les appels que nous avons entendus des différents présidents, comme on l'a dit tout à l'heure, tel président a appelé au changement, tel autre a appelé au changement des mentalités, changement des Congolais. Mais moi, je me pose la question. Eux-mêmes, ceux qui appelaient au changement, étaient-ils, se constituaient-ils en modèle de changement? Parce qu'un changement, nous l'opérons en suivant un modèle. Je prends un exemple historique. Un homme comme Gandhi, en Inde, il a appelé les Indiens au changement. À la désobéissance. Et ce changement passait par la désobéissance civile. Il a renoncé au port des habits venant de Grande-Bretagne, de l'Occident. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par lui-même à faire ce changement. Il s'est débarrassé du costume qu'il a porté pendant tout un temps, n'est-ce pas, comme avocat en Afrique du Sud. Et ces costumes qui venaient de l'Occident, n'est-ce pas? Il s'est débarrassé lui-même d'abord de cela et il a invité les autres Indiens, ses compatriotes, à amener leurs costumes et ils ont fait un grand brasero, n'est-ce pas, un brasier, n'est-ce pas, pour brûler tous les costumes et il a amené aux Indiens le rouet. Le rouet, c'était la petite machine qu'il a mise au point pour fabriquer l'habit que lui portait et qu'il voulait que les autres Indiens puissent porter. Il était fort parce que même en hiver, voilà. En Europe, il allait avec son habit extraordinaire.
qui ne le protégeait pas contre le froid européen, occidental. Non, mais il a dit, eh bien, le changement commence par le mien. Le changement, le vrai changement commence par le mien. Et lorsque j'invite les autres changements, les autres vont voir ce changement d'abord en moi, dans ma personne. Et en ce moment-là, ils vont se dire, hé, il nous invite au changement, mais lui-même a commencé par changer. Et donc, nous allons l'imiter. Nous allons l'imiter. Nous allons changer en suivant son modèle. Voilà. Et c'est ce qui nous manque. Des modèles au sommet de l'État, des modèles dans les familles, des modèles dans les églises, des modèles dans les associations, des modèles des personnes qui ont compris que le changement commence par le « je ». « Je change ». Un exemple. Bon, je donne un exemple. Vous avez l'habitude, chaque fois, chaque jour, après le travail, d'aller prendre un verre avec des amis. Mais aujourd'hui, vous vous dites, est-ce que c'est normal que chaque jour, j'arrive à minuit à la maison ? Je vais commencer par changer cette habitude. Ben, si vous y arrivez et que désormais, vous ne consacrez plus que vendredi et samedi pour sortir, c'est déjà un pas. Vos enfants vous verront et vous contribuerez, n'est-ce pas, à leur éducation. Il y a plusieurs exemples, on peut donner plusieurs exemples. Et n'attendons pas seulement, monsieur l'abbé, je vous remercie pour cet exemple, n'attendons pas seulement de la tête. C'est vrai que là, c'est important, mais ce pays nous appartient à nous tous, que chacun s'interroge sur son comportement de tous les jours. Bonne Gabon. Oui, le changement dont je parle, c'est une façon de voir le pouvoir d'État. Ce n'est pas moi qui irai le changer, mais je vous dis, si nous n'avons pas une conception du pouvoir d'État qui soit celle qui permet effectivement d'aller de l'avant, bon, on peut continuer à attendre que moi je me transforme en modèle. D'abord, qui me verra ? Le pouvoir d'État, aussi longtemps nous allons continuer à le considérer comme une chance, comme une sinécure, comme une occasion d'enrichissement rapide. Nous gouvernant comme gouvernés, nous allons avoir du mal à construire un État digne de ce nom. Parce que il faut passer de cette conception, j'allais dire matérialiste du pouvoir d'État, par une conception de servir. Que le pouvoir soit effectivement perçu comme un lourd fardeau, et non ce qu'on a vu dans les médias quand on a nommé des gens, ils ont tous passé la nuit à fêter parce qu'il est bourgmestre d'une commune, mais plutôt des gens qui s'interrogent comment il va pouvoir justement apporter ce changement-là. Montrer que lui, il vient diriger la commune pour servir. C'est, comment on appelle les habitants d'une commune ? Donc, c'est concitoyen de la commune. Oui. Et non comme, parce que manifestement, c'est ce que cela donne à penser, qu'ils considèrent qu'eux aussi, maintenant, ils ont la possibilité d'accéder à la mangeoire. Aussi longtemps que nous allons avoir cette conception-là du pouvoir, je suis désolé, mais on va avoir du mal à aller de l'avant. Donc je crois que les changements là dont il s'agit, c'est un changement, c'est vrai, de chaque homme, de nous tous, mais en commençant par déjà montrer quelle vision nous devons avoir de l'État. C'est l'État qui organise. Si l'État qui organise est perçu comme une mangeoire, à ce moment-là, on est complètement à côté. Et donc, on doit d'abord se battre pour que cet État-là cesse d'être perçu comme ce moyen d'enrichissement rapide et désormais être perçu comme vraiment un lourd fardeau devrait d'ailleurs faire peur à certains. Tout à fait. On devrait avoir peur de chercher à accéder à ces responsabilités-là. Tout à fait. C'est vrai. Et ici, lui,
nous invite tous à faire cette introspection, à faire cette guerre en nous-mêmes pour changer. C'est un peu l'exemple que vous donniez au cours de la dernière émission. Si on a amené Mobutu à Washington, il trouve effectivement une organisation et des gens qui obéissent à une certaine logique. Eh bien, quand il demandera au gouverneur de la banque de venir, on lui dira, monsieur le président, ça ne se fait pas. Monsieur le président. Étant d'accord avec ce que Modeste vient de dire, j'ajouterais qu'il n'y a pas que la vision, il y a la manière d'exercer le pouvoir. La vision est à la base de tout. Et il y a la pratique maintenant. Aujourd'hui, la pratique, l'exercice du pouvoir dans notre pays est à différents niveaux. À différents niveaux. Et je situe le tout premier niveau, c'est le niveau familial. Là où tout commence. Qu'est-ce que j'observe? C'est que le pouvoir est souvent exercé avec le ventre. Et ça rejoint ce que Modeste disait tout à l'heure par rapport à la mangeoire. Le pouvoir est exercé avec le ventre. Et donc, ce qui prime, c'est d'accumuler des biens, de manger, de se remplir le ventre. N'est-ce pas? De se remplir le ventre. Et d'ailleurs, l'une des observations que l'on peut faire, c'est que quelqu'un qui... en allant au pouvoir, était maigre et tout, et demain, après quelques temps au pouvoir, eh bien, il commence à être ventripotent, voilà. Comme on dit. Il prend du ventre, n'est-ce pas? Et c'est un des indices que le pouvoir est exercé avec le ventre, n'est-ce pas? Et ce qu'il faudrait, le changement dont on parle, le changement de paradigme, le changement de manière d'exercer le pouvoir, eh bien, nous amènerait à dire qu'il faut arriver à exercer le pouvoir avec la tête, c'est-à-dire la raison, la rationalité, l'intelligence, la logique, n'est-ce pas? Et avec le cœur, c'est-à-dire avec l'amour. Et ce sont ces deux éléments qui souvent nous manquent et qui font que, eh bien, le changement, ce n'est pas pour aujourd'hui. Tant que nous exerçons le pouvoir avec le ventre, eh bien, nous allons à la mangeoire. Tant que nous exerçons le pouvoir avec le ventre, eh bien, nous partageons le gâteau. Parce que le pouvoir est considéré comme le gâteau qu'on se partage entre amis, entre membres de famille, n'est-ce pas? Tout à fait. Et chacun a son temps pour manger. Et à ce moment-là, monsieur l'abbé, on ne peut pas dire qu'on aime le pays. Absolument pas. Et si on n'aime pas le pays, il va à volo. Absolument. C'est donc, ce que nous voyons. Absolument. Donc, il faudrait que nous arrivions jusqu'à nous dire qu'est-ce que je fais moi personnellement? Parce que c'est trop facile. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Qu'est-ce que je fais? Parlons de corruption. Vous êtes dans une situation passive où vous acceptez n'importe quoi. Vous acceptez ce qu'on vous donne. Même ce que l'adversaire vous donnera, vous accepterez. Et au revoir le pays. Modeste. Oui, vous avez parlé de la corruption. Je voudrais m'arrêter un instant là-dessus pour dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sournois encore. C'est la concussion. La concussion est la chose, je crois, qui a... depuis l'indépendance, a fini par s'installer dans les mentalités, de telle sorte qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un droit. Vous revendiquez un droit, vous avez droit à un paiement quelconque parce que vous avez effectué un travail, et donc vous avez une créance sur l'État. Eh bien, la personne qui doit vous permettre d'entrer en possession de vos droits, sans rien vous dire, va vous pousser quand même à ce que vous puissiez lui proposer un pourcentage sur ce que vous estimez être votre droit le plus strict, le plus élémentaire.
Vous devez réclamer 10 000 dollars, par exemple. Parce que... Allons, 100 millions de dollars. Bon, c'est plus perceptible. 100 millions. Voilà. On vous doit. Vous allez attendre, et puis vous allez finir par craquer. Voilà. Vous dites, bon, je crois que ce monsieur attend que je vienne lui proposer une clé de répartition de ce montant. Effectivement, lorsque vous faites la proposition, ça se débloque. Comme par enchantement. Donc, on a fini par intérioriser cela, de sorte que maintenant, on n'attend plus. Dès qu'on a une créance, directement, on dit, écoute, bon, vous savez, on me doit 100 millions là, mais je peux... Vous donner combien? Allons-y. Alors, lui, il dit, bon, je peux vous donner 30%. Ah! Là, il dit, celui-là, il a vraiment... Compris. Parce que si vous y allez avec 5-10%, vous risquez de voir quelqu'un qui ne réagit pas. Ça veut dire qu'il n'est pas encore... Vous n'avez pas encore atteint le bon seuil. Alors, vous savez, un État dont la vocation est d'être impartial, ça écrase les plus faibles. Parce qu'à ce moment-là, la pauvre personne... Nous parlons des millions, là. Mais il y en a qui ont des petits montants. Donc, juste assez peut-être pour payer quelques petites choses. Même pas... on ne parle pas de s'acheter une parcelle au village ou quoi. Non, c'est des petits montants tout à fait insignifiants. Vous savez, Modeste, que les gens qui vont à la retraite, eh bien, notre ami Willy Kalingaï nous a parlé de cela, à eux aussi, voilà. On leur impose de laisser quelque chose. Vous vous rendez compte, quel cynisme, là, vous tuez le pays. Oui. Et un argent comme ça, bon, enfin, là, maintenant, je suis philosophe, ne peut pas porter bonheur. Non. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, on lui doit 10 000 dollars, vous lui dites 50-50. Vous vous rendez compte, du scandale. On en est là. Et vous allez dire quoi? Que je participe à la guerre, à ce qui se fait dans l'est de mon pays? Eh bien non. Vous faites partie des traîtres, monsieur l'abbé. Je crois que nous touchons le nœud du problème, c'est la cupidité. La cupidité, la soif immodérée de l'argent, de l'avoir, des biens matériels. Cette cupidité qui ronge les cœurs et les esprits, non seulement des Congolais, ceux qui nous font la guerre, nos véritables ennemis, ceux qui nous font vraiment cette guerre, qui ne date pas de 2 décennies, comme nous croyons que c'est cela. Qui date de 1880. Depuis, même avant. C'est dû à quoi? La colonisation, la néocolonisation. Remontons, la traite négrière relève de quoi? Relève de la cupidité. La soif immodérée de l'avoir. Monsieur l'abbé, je voudrais vous contredire un peu, ajouter. Parce qu'en fait, cette cupidité de ces gens-là, on en a vu le résultat, on a vu comment Bruxelles a été construite. Mais la cupidité de chez nous, la concussion de chez nous, elle nous amène où? Combien de millionnaires il y a dans ce pays aujourd'hui? Il y a des millionnaires pour eux-mêmes. Qui se cachent? Non. Qui ont peur? Non, il y a des millionnaires pour eux-mêmes. C'est-à-dire, si je reviens à ce que tu viens d'évoquer, les pays qui se sont construits avec cette cupidité, cette accumulation des biens, de l'argent, des biens matériels, ils ont construit leur pays et tout. Et nous, la cupidité nous amène à quoi? Eh bien, nous amène, en fait, c'est doublé d'égoïsme. Doublé d'égocentrisme, doublé d'égotisme, c'est encore plus fort, n'est-ce pas? C'est que moi, d'abord, moi, et c'est tout. Les autres ne comptent pas.
Et ça, c'est un problème même au niveau international. Même au niveau international. Si aujourd'hui, on nous fait la guerre, c'est parce que vos richesses, là, c'est nous qui devons en bénéficier. C'est nous qui devons en tirer profit. Et pas vous. Et ça ne peut pas être des richesses qui vont servir pour vous et pour nous. Non. Ces richesses doivent servir à nous et pas à nous deux. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui gagnant-gagnant. Non. Il doit y avoir un gagnant, c'est moi, et un perdant, c'est toi. Et je m'en fous de toi. Je m'en fous. Tes richesses sont mes richesses. Je les accorde. Devraient m'appartenir. Devraient m'appartenir. Et si tu ne me les donnes pas, eh bien, je les prends de force. Je les prends de force. Et aujourd'hui, la guerre que nous vivons, on dit depuis deux décennies, moi je dis depuis des lustres, n'est-ce pas? Cette guerre, c'est la guerre de prédation. Oui, mais la guerre de prédation, quand même, monsieur l'abbé, là, j'y tiens, parce que il nous appartient aussi de résister. Absolument. Mais est-ce que nous résistons? C'est ça le problème. C'est le grand problème. Et c'est là où nous disons qu'il y a une responsabilité que nous ne pouvons pas nier sous prétexte que nous ne devons pas nous auto-flageller, sous prétexte que nous ne devons pas faire un déni de responsabilité des autres, sous prétexte que la responsabilité est partagée. Oui, elle est partagée. Certes, ils ont ceux qui prennent le pouvoir, qui se donnent le pouvoir, et à qui parfois nous donnons ce pouvoir, consciemment ou inconsciemment, de nous gérer, de nous diriger, de se servir de nous, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont une responsabilité, mais nous avons aussi la nôtre. Et c'est là, à mon avis, la planche de salut. Nous ne serons pas sauvés tant que nous ne prendrons pas conscience de notre propre responsabilité, parce que c'est à partir de là que nous pouvons agir. Peut-être que vis-à-vis du blanc, là, vis-à-vis des Américains, des Français, des Belges, ou des Rwandais, ou des Ougandais, ou des Libanais, ou des Indiens, ou des Pakistanais qui exploitent nos richesses, peut-être que vis-à-vis d'eux, nous n'avons pas un grand pouvoir, une grande prise, mais au moins nous avons une prise sur nous-mêmes, et que nous-mêmes nous pouvons nous dire, eh bien, désormais, je ne vais plus me laisser faire. Voilà. Et nous n'allons plus nous laisser faire. Et si nous devons nous organiser, c'est pour mettre en place des stratégies qui nous permettront de ne plus nous laisser faire et qu'on ne nous marche plus sur les pieds. Oui, parce que, Modeste Mouligaba, quand on voit les grandes surfaces à Kinshasa, mais ce sont les expats qui gèrent. Mais ces expats-là, qui leur a donné ce pouvoir? Mais c'est nous. Parce qu'ils nous donnent des miettes. Mais avec des miettes, comment nous allons nous organiser? Ce n'est pas avec des miettes qu'on s'organise. C'est en faisant peut-être ce qu'ils font, en copiant peut-être. Parce que la plus grande erreur de Mobutu, c'était d'avoir zaïrianisé sans avoir étudié. Hein? Parce que quand on a terminé de partager, quand il fallait commander pour approvisionner, on nous avait fermé la porte parce qu'on n'avait pas étudié. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'on ait accepté cette situation, non? Tout à fait. En fait, comme dit l'adage, la nature a horreur du vide. Voilà. Tout ce, monsieur l'abbé vient de citer les différents pays, les nationalités de ceux qui sont au Congo, qui se servent comme un supermarché libre-service, sans payer d'ailleurs le vrai prix. Voilà. C'est que si cela a été rendu possible, c'est parce que ils ont regardé, ils ont dit, mais voilà un endroit où on peut aller, il suffit d'avoir bien jonglé, il y a tel décideur, tel responsable, tu dis donc. Ici, ils se sont organisés, ils cotisent régulièrement, ils ont des caisses pour servir tel aux responsables. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas toucher à un cheveu d'un de ces gens-là, les différentes nationalités que vous avez citées là. Parce que, immédiatement, vous recevez un coup de fil qui vous dit,
N'insistez pas. Alors, ça veut dire que les pays où n'y a pas d'État, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment la preuve que l'État n'existe pas. Là où il y a l'État, c'est le dernier policier que vous trouvez sur la route qui est l'État. Il vous dit, voilà, la loi dit ça et ça, au nom de la loi, je vous arrête. Et effectivement, on vous arrête, qui que vous soyez, dans un État de droit. Alors, ici, ils ont compris que il suffit d'avoir un peu... Mais comment aller en Inde aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un ligablo. Ce n'est pas possible, c'est interdit. Voilà. En Chine, enfin, j'ai visité la Chine il y a longtemps, il faut avoir un Chinois comme associé et qui doit avoir une part importante. Avec des organisations comme ça, personne ne vient vous faire la guerre. Parce qu'entre-temps, vous faites des forces, vous accumulez des forces, et aujourd'hui c'est l'argent, personne ne vient vous toucher. Et donc, ce qui nous arrive... Il faudrait que nous puissions nous dire que c'est de notre propre faute. Et je crois que de plus en plus, quelques compatriotes commencent à comprendre et commencent à changer de fusil d'épaule. La suite, monsieur le président. Le système a été créé sans nous. En 1885, lorsque les Occidentaux se sont réunis à la conférence de Berlin, nous n'étions pas là. Et nous n'avions pas eu part aux discussions, ni aux décisions qui ont été prises. Ce qu'ils ont décidé par rapport au bassin du Congo, au bassin du Nil et au bassin du Congo, ils ne nous ont pas demandé notre avis. Monsieur l'abbé, là nous sommes en train de nous donner bonne conscience. Non. Mais nous avons eu quand même des occasions. Non, laisse-moi arriver au bout de ce raisonnement. C'est pour dire ceci, c'est qu'ils ne nous ont pas demandé notre avis, mais nous avons au moins maintenant le pouvoir de rompre et de dire non à cette manière de faire, à ce système. Nous rompons avec les actes de la conférence de Berlin. Ça veut dire nous rompons avec une façon d'être traité en nous laissant faire. Nous rompons avec cela. Mais rompre ne peut pas porter bonheur si vous n'avez pas assuré vos arrières. Ça veut dire nous rompons avec ce système pour un autre système. Cela signifie que nous devons d'abord commencer par penser un autre système. Penser un autre paradigme. Et c'est en rompant avec ce système-là que nous entrons dans un autre système que nous avons mis en place. Et je dirais, très brièvement, il faut rompre avec le système capitaliste ultralibéral. C'est cela, il faut citer cela et nommer cela. Il faut rompre avec ce système parce que c'est ce système qui est à l'origine de ce que nous sommes en train de vivre. Texte, ça veut dire quoi? Eh bien, non, ce capitalisme. Oui, le capitalisme qui repose justement sur le fait que nous sommes jalousement crispés sur nos richesses. L'avoir. Voilà. Et capitalisme, ça veut dire accumuler au détriment même des autres. Travailler pour un profit personnel individuel, accumuler des biens, n'est-ce pas, et perdre le sens de la solidarité et du partage. De l'humanité. De l'humanité. Voilà ce avec quoi nous devons rompre. Mais cette rupture, elle est à la fois mentale, d'abord culturelle, elle est psychologique, mais elle est politique. Et économique. Donc, elle touche les différentes dimensions de la vie de l'être humain, vie sociale, vie économique, vie culturelle, vie politique. C'est cette rupture que nous avons peur peut-être de faire parce qu'elle coûte cher. Mais prenons le courage.
Mais nous ne pouvons pas le faire si nous sommes seuls. Là où je vous donne raison, c'est à quel moment? En fait, depuis in illo tempore, on vous isole. On dit non, non, vous, vous êtes évolué, vous n'êtes pas comme les autres. En fait, on vous corrompt. On vous isole, on vous donne ce que vous voulez, mais entre-temps, c'est la déglingue de l'ensemble de la société. Vous avez complètement raison. Modeste. Oui, c'est vrai qu'il faut rompre avec le système actuel, mais il y a plusieurs étages. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce titre, parce que ce titre nous pousse à nous considérer comme en guerre. Permanente. Et là, permanente. Nous sommes en guerre. Oui. Là, nous sommes en guerre, disons, classique. Mais la guerre que nous devons mener, c'est une guerre qui nous permet de contrôler notre espace vital. Parce qu'aujourd'hui, je crois que ça devrait être ça la priorité. Comment faire en sorte que le reste du monde change de regard à ce qui nous concerne? Se disent, tiens, mais jusqu'hier, il suffisait de... Tout ne passe, et puis on arrive, le tour était joué. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ah, ce n'est plus possible. Qu'est-ce qui a changé? C'est que l'organisation à l'intérieur a fait en sorte que chaque citoyen est effectivement devenu un guerrier. Un guerrier, non seulement face au monde, mais aussi face à des gouvernants corrompus et prédateurs. Un citoyen qui devient enfin propriétaire et qui a effectivement le sentiment et le comportement du propriétaire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous étendez des pagnes, vous dansez pour ces gens qui sont là, ils se disent donc on est, c'est bon. Est-ce qu'ils vont changer quand ils voient ça? Je ne crois pas. Ils vont se dire donc on est dans le bon. Mais lorsqu'ils vont se rendre compte que désormais, lorsqu'ils osent se présenter dans la commune ou en province, ils trouvent des pancartes de revendication. En fait, des gens aguerris. Des gens aguerris. On lui demande, mais vous là, vous venez ici et on dit que vous avez une fortune colossale. Comment l'avez-vous acquise? Ah, des questions auxquelles n'étaient pas habitués. C'est dit ici, les choses ont changé. Donc, et à ce moment-là, certains vont se dire, ah non, je n'y vais pas. Ce n'est plus un terrain où je pourrais m'aventurer. Parce qu'ils auront compris que l'espace politique est devenu un espace tellement exigeant qu'il faut être vraiment, il faut montrer patte blanche, comme on dit, oui, pour oser s'y aventurer. Et donc, c'est ce changement-là, qualitatif, au niveau du citoyen, qui permettrait à ce que, non seulement à l'interne, mais aussi à l'extérieur, on dit, tiens, il y a un vrai changement qui s'est produit dans ce pays-là. Et ce changement-là, on ne doit pas attendre 1000 ans pour qu'il ait lieu. Il faut y travailler dès maintenant. Ici et maintenant. Tout à fait. Et pour y travailler, il faut commencer par l'éducation. L'éducation de base. L'éducation au niveau familial, d'abord. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Mais monsieur l'abbé, au niveau, le sujet on l'a traité, ben, au niveau familial, on se réunit autour du manger, oui, de la table. Mais aujourd'hui, il y a des parents qui ne peuvent pas réunir leurs enfants autour de la table. Yo yakinanini, eleronini akoli aozanango. C'est cela. Comment organiser cette famille pour que autour de la table, on puisse éduquer les enfants, leur donner des bonnes habitudes. C'est ça le problème. Donc c'est un problème global, c'est un problème qui nous intéresse tous. Il ne faut pas attendre que ça vienne de quelqu'un. Il ne faut plus avoir peur. En fait, nous sommes tous responsables. Absolument. Et chacun à son niveau. Bien entendu. La responsabilité d'un chef de l'État n'est pas à comparer avec la responsabilité du huissier ou du balayeur de rue, n'est-ce pas? Chacun a sa responsabilité. Ce qui est important, c'est de ne pas nier sa responsabilité et de ne pas, disons,
croire que c'est la responsabilité de l'autre, c'est la responsabilité des autres, ce sont les autres qui doivent changer. Mais non, c'est chacun de nous, là où il est, qui doit changer. Et ce n'est pas seulement une responsabilité, je dirais, d'un changement individuel, comme nous avons dit, c'est aussi un changement structurel, un changement des structures. Un changement des structures qui, si elle ne se fait pas, s'il ne se fait pas ce changement, eh bien, nous tournons en rond. Nous tournons en rond. Et ce que tu viens de dire, j'ai évoqué la famille, mais le problème est systémique. La famille, il faut lui donner des conditions de vie. Ça veut dire, il faut un emploi, il faut des salaires convenables, il faut l'eau et l'électricité, il faut le transport, il faut l'habitat. Les conditions de vie sociale doivent être telles que ça met les familles dans une position où, étant à l'aise, ayant, je dirais, satisfait les besoins de base, ils peuvent maintenant s'atteler à développer le mental, développer le pays, développer ce qu'il y a lieu de faire pour que la vie ensemble devienne une vie agréable. Et pour que la vie de l'ensemble puisse devenir agréable, cela commence peut-être par l'impôt de la commune. Mais si à la commune, vous ne gagnez rien qui puisse vous permettre de payer l'impôt afin que l'État puisse avoir les moyens de sa politique, eh bien, c'est compliqué. N'est-ce pas, Bodigaba? Oui, je crois que nous avons été tellement paupérisés, n'est-ce pas? Depuis, on considère qu'en 60, le pouvoir d'achat, mon père était enseignant. Mais quand je vois ce qu'il a pu faire en tant qu'enseignant, construire une maison, tout ça, je dis, aujourd'hui, même un professeur d'université n'aurait pas ça. Donc, la paupérisation a été à un point tel qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de payer l'impôt et tout ça, c'est normal qu'il faut effectivement payer. Mais il faut d'abord, je crois, rompre avec le système qui a été si paupérisant, hein, pour de nouveau avoir la possibilité de donner des vrais revenus aux gens. Servir et non se servir, alors que on pratiquait l'inverse. Voilà. Donc, il faut d'abord rompre avec ce système-là qui a été à ce point appauvrissant, de manière à ce qu'on puisse assurer ce minimum vital à chaque personne qui travaille. Parce que quand on fixe le salaire ici, ben on ne voit pas sur quoi on se base. Hein, lorsqu'on voit manifestement que le minimum qu'on propose aujourd'hui, le SMIC, ne permet pas à quelqu'un de vivre. De nouer les deux. C'est tout simplement parce que justement la paupérisation est arrivée à un point tel qu'on ne peut plus se baser sur les éléments objectifs qui permettent à ce qu'on distribue la richesse nationale de manière assez équitable. Donc il faut rompre d'abord avec ce système, et pour rompre avec le système, parce que c'est ça la vraie question, comment on rompt avec ce système? Très bien. Il faut organiser les citoyens, on parlait d'une armée, il faut organiser les citoyens comme une véritable armée. Une armée de citoyens, bâtisseurs, entrepreneurs et conquérants. Cette organisation-là, il faut la mettre en place parce que c'est cette organisation qui va donner naissance à un leadership tout à fait nouveau. Un leadership auquel on ne peut même pas penser maintenant dans les conditions actuelles. Parce que ce leadership sera tellement exemplaire que le reste du monde va se dire, mais comment ils ont fait pour arriver à ça? Nous allons créer les conditions pour que les meilleurs d'entre nous, les meilleurs fils et filles du pays, soient ceux-là seuls qui émergent pour nous gouverner. Et nous allons créer des conditions pour bloquer systématiquement l'ascension de ceux qui sont considérés comme des médiocres. Si on met en place un tel système parce qu'il faut changer de système, ben c'est à ce moment-là qu'on va s'étonner que le Congo, effectivement, est un pays tout à fait nouveau. Nouveau et béni des dieux. Voilà. Monsieur l'abbé. La paupérisation dont on parle Modeste est à considérer
sur deux plans. Il y a la paupérisation qu'il a évoquée, sur laquelle il a beaucoup insisté, matérielle, hein, économique, n'est-ce pas ? C'est surtout de cela dont on parle souvent. Mais il y a une autre paupérisation, mental, un autre niveau de paupérisation qui rejoint ce que Mabi Kakalanda a évoqué dans son livre, hein, La remise en question, base de la décolonisation mentale. C'est la paupérisation mentale, c'est la déshumanisation qui fait en sorte que même si aujourd'hui on combattait la paupérisation économique, la pauvreté disons économique, et qu'on donnait, hein, aux Congolais autant d'argent, hein, qu'on veut, que le problème ne serait pas résolu dans la mesure où, eh bien, le sens du partage, comme on a dit, le sens de la solidarité, l'éthique, hein, la morale, n'est-ce pas, n'y étant pas, eh bien, nous allons tourner en rond. Et je crois qu'il faut combattre ces deux pauvretés. Et s'il y a une pauvreté qu'il faut combattre d'une manière virulente, c'est la pauvreté mentale, qui fait en sorte que aujourd'hui j'ai un peu d'argent, plutôt que d'utiliser, hein, cet argent pour construire, n'est-ce pas, j'utilise cet argent pour détruire. Voilà. Détruire non seulement ma propre vie, mais détruire aussi la vie de la société. À travers Monsieur l'abbé, corruption et autres comportements qui, moralement et éthiquement, ne sont pas admissibles. Je vous remercie et je crois que c'est Modeste qui a parlé de l'égoïsme. Non, c'est Monsieur l'abbé qui a parlé de l'égoïsme. Ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. On voit des églises prospérer et ceux qui sont à la tête roulant carrosse, alors que ceux qui traduisent là vont à pied et sont malheureux. Tout ce que nous faisons comme bruit à la cité avec des haut-parleurs, mais nous ne savons même pas que nous sommes en train de détruire le système nerveux des enfants qui sont nés. Voilà où nous en sommes arrivés, Oligaba. Un mot rapidement et puis on termine. Oui, donc un mot, c'est pour dire que cette guerre, nous devons la gagner. Cette guerre, nous devons la gagner. Et pour la gagner, il faut effectivement que nous tous, nous considérions que nous devons changer. On a parlé de la décolonisation mentale. Effectivement, c'est cela qu'il faut mettre en exergue, parce que si nous voulons gagner cette guerre, nous devons d'abord nous dépouiller de cet homme-là. Du vieil homme. Du vieil homme, les colonisés là, qui est toujours dans des réflexes. L'ancien colonisé, on voit tout de suite, hein, ouais. Il est toujours en train de... Ses références, c'est toujours, oui, vous savez, c'était à Paris et tout ça. Cet homme-là, si on ne le change pas, on ne gagnera pas cette guerre. Et moi, je crois qu'il y a une piste pour changer cet homme. Eh bien, on va peut-être continuer à expliquer aux gens comment on change cet homme, mais c'est devant l'urne que cet homme change, dans sa tête. Lorsque cet homme va se rendre compte que tel ne convient pas à tel endroit, tel ne convient pas à tel poste, malgré qu'on lui aura donné des milliers de dollars et tout ça, il refusera de voter pour cet homme-là, la colonisation mentale aura déjà commencé à s'estomper. Mais s'il continue à être pauvre mentalement pour se laisser acheter par un petit billet, par un t-shirt et tout ça, on est en train de prêcher dans le désert. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous continuons comme ça, on arrivera à un certain moment au changement qu'on appelle radical, c'est-à-dire plus aucune Mercedes, tout le monde en VW. Je crois que quelque part, à un certain moment, il faut arriver jusque-là. Je ne caricature pas, parce que le réflexe du colonisé, c'est quoi? Avoir la plus belle voiture, la voiture du blanc. Mais est-ce qu'on a besoin tous d'avoir des plus belles voitures pour vivre? Peut-être pas. Réfléchissons-y.
On vous invite à la réflexion et renvoyez-nous vos idées. N'ayez pas peur de suivre des émissions compliquées. Faites des efforts et vous verrez que tout le monde y verra un peu plus clair. La conclusion, je la laisse à M. l'abbé. En un mot. En un mot, il faut arriver à se désarmer. À se désarmer de la volonté d'avoir raison, à se désarmer de la volonté de posséder et de posséder encore tout seul, sans limite et sans partage. Merci. Il faut arriver à cela. Merci, mesdames, aussi, mesdemoiselles, messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro. Suivez-le, j'espère que vous l'avez suivi jusqu'au bout, parce que ça va vous donner matière à réflexion. C'est après mûre réflexion que l'on peut changer et aller dans le droit chemin. Sinon, on va dans le mur. Cette guerre, nous pouvons la gagner et nous devons la gagner. Bon courage.